faire cette vidéo parce qu'en fait j'ai eu un partenariat avec une boutique qui s'appelle Roll Cosplay. C'est une boutique en ligne et je me suis dit ça serait pas mal de faire une revue sur un de leurs cosplays. J'ai beaucoup cherché sur le site quel cosplay j'allais prendre pour cette revue. J'ai un petit peu farfouiné partout et j'ai trouvé un costume qui me ressemble, que je pense que vous aussi vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ben je vous mettrai une image là ou par là quelque part. Je vais vous présenter un autre article qu'on m'a acheté cette fois-ci. C'est pour mon costume de Kotori Devile pour les personnes qui me suivent sur Instagram, etc. C'est vrai que je vais avoir le costume de Kotori. Bon, il va y avoir du retard, j'ai eu quelques soucis avec la boutique, a eu des soucis. Enfin bref, tout va bien. Donc je vais tout de suite vous présenter les colis d'aujourd'hui. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à partager, etc. Et moi je te souhaite une bonne vidéo et n'hésite pas à checker la description pour avoir le site, etc. etc. en description. Donc c'est un paquet comme ceci que je n'ai pas pu vous faire avant parce que en fait j'ai pas forcément trouvé le temps de le faire en fait. Et la motivation. Du coup, voici le paquet. Il est comme ça, voilà, c'est pas du tout le paquet d'Imelwin, mais bon, c'est un paquet, on s'en fout. Je l'ai déjà ouvert pour l'essayer parce que, en fait, j'ai voulu l'essayer devant mes parents. Alors, j'ouvre ce paquet. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, ici, ils offrent un petit pins Roll Cosplay. Donc, moi, il est arrivé défoncé, le machin. Donc, voilà, un petit pins Roll Cosplay. Donc voilà, il est arrivé bien défoncé derrière, bon, on s'en fout, de toute façon c'est un pins. Donc voilà, de la boutique Roll Cosplay. Donc, le paquet, voilà. Alors la première chose que j'ai vue en ouvrant le colis, c'est ceci. Donc quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais la jupe, elle est énorme, genre, c'est quoi cette jupe? Moi je croyais que c'était une jupe et un haut, mais en fait non, pas du tout. En fait c'est une robe, voilà, c'est une robe violette. Après je sais pas si c'est les foufous, ça se met devant ou derrière, je sais pas encore. Mais moi je peux, voilà, comme ça. Donc quand je l'ai vu, j'ai fait putain mais qu'est-ce qu'elle est large. J'ai fait mais what. Mais en fait non, elle me va bien et encore j'ai pas pris assez grand. Bref, c'est pas grave. Donc une fermeture sur le côté, hein, d'accord, pour ouvrir. Et moi comme une con quand je l'ai enfilé, eh ben, j'ai pas ouvert la fermeture. Du coup je me suis défoncé tout ce que tu veux. Du coup ça m'a fait super mal, mais bon c'est pas grave. Hein. Donc matière, je suppose que vous voyez à peu près. Voilà, une très... Enfin moi j'aime bien la matière, franchement j'aime beaucoup. Après le problème c'est que c'est vachement froissé, faudrait à la limite foutre un coup de repassage, un truc comme ça, parce que c'est froissé, c'est pas beau ça quand tu vas en convention et tout, tu vas un beau cosplay. Ouais non, ça va pas. Donc déjà pour la robe que j'étais surprise, donc ça peut se porter en robe, moi je dis c'est très bien. Donc ensuite pour le haut par contre je l'adore, ça fait bien le col et tout ça comme ça là. Derrière c'est comme ceci. Voilà, c'est accroché, hein. Moi je croyais que c'était un truc qui s'enfilait, mais en fait non, c'est accroché. Oui. Donc la veste avec les boutons. Voilà. Deux boutons, donc ensuite là bah, ça s'arrête là, ça fait un petit zboubouic. Donc au niveau des manches, le seul truc que je devrais reprocher à ce costume, c'est que les manches en fait ne sont pas pour moi assez grandes. Moi j'aurais aimé que ça tombe comme ça, et là non, pas du tout, ça le fait pas, mais bon, après voilà, c'est pas grave, moi j'aime bien quand même. Et ouais, au niveau de là aussi c'est froissé, donc c'est pas cool. Mais bon c'est normal, c'est le trajet, hein. je vais rien leur dire par rapport à ça. Mais sinon, franchement matière, comme la jupe, comme la robe pardon, une très très, enfin moi j'adore, personnellement j'aime bien cette matière. Donc voilà. Donc ensuite on a le petit accessoire de Shiro, donc c'est l'espèce de truc qui se met là, voilà. C'est le nœud on va dire, c'est un nœud. Donc ça se met genre... bah ça se met en collier et ça se met derrière le col. Et le foulard en fait, ouais c'est un foulard on va dire, ouais voilà. Donc voilà pour ceci. Donc personnellement j'en ai déjà fini parce qu'en fait il n'y a que le haut, la robe et le foulard, parce qu'en fait j'ai pas encore eu la perruque parce que je ne sais pas encore si ça va être accepté. Mais sinon
pour un début de costume, je trouve que c'est très bien. Après, je pense que pour la taille, j'aurais dû prendre un petit peu plus grand. Mais là, j'avais gaffé un peu, c'est moi par contre. Sinon, le temps d'arrivage, mamma mia, nickel, parfait. Ça a mis, quelques jours en fait. Ça a même pas mis 2 semaines, je crois. Ça a été très 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 vite, j'ai pas compris. J'ai adoré ce partenariat avec Roll Cosplay parce que c'est une boutique vraiment très gentille. Ils répondent H24 tous les matins, j'avais ma petite réponse. Ils sont aimables. Je conseille vraiment d'aller sur cette boutique donc, qui sera en description, Roll Cosplay, qui a des très beaux cosplays. Et je vous conseille vraiment d'y aller pour les personnes qui commencent dans le costume et qui ont envie de s'acheter un cosplay. Donc voilà. Les prix sont abordables encore. Il y a excessif, moyen. Il y a des trucs, c'est très cher forcément. Peut-être que la qualité aussi, c'est pas la même. Le personnage aussi, parce qu'il y a la marque. Sinon, ça va. Franchement, pour le coup, c'est bonne boutique. Et je suis vraiment contente de l'avoir connue, cette boutique, parce qu'elle est vraiment perfect. Sur ce, maintenant on va passer au deuxième article. Donc ce sont des chaussures. Donc ce sont des chaussures que la maman de mon chéri m'a acheté. Je suis tellement contente parce qu'elles sont, voilà, trop belles. J'ai posté la photo des chaussures sur MSP comme d'habitude. De toute façon, à chaque fois que j'ai quelque chose, je poste une photo sur Wistar Planet. Et mon dieu, mamma mia, qu'est-ce que c'est que ces commentaires. Mais je t'ai dit que j'avais une nouvelle paire. Pourquoi tu critiques ma paire de chaussures? Encore tu me critiques moi, d'accord, mais critique pas une paire de chaussures. Le style de chaussures, c'est du style Lolita, donc si t'aimes pas le style Lolita, regarde pas. Hein. Par contre, si tu aimes le Lolita, je te conseille de regarder. J'ai acheté ces chaussures sur AliExpress. AliExpress. Donc je les ai, on me les a achetées une 50aine d'euros, il me semble. Donc les voici. Je vais juste vous attacher les trucs pour que vous puissiez voir. Voilà la chaussure, donc vous voyez à peu près, enfin je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais personnellement moi c'est choquant. J'ai pas l'habitude de porter des chaussures compensées comme ça, donc c'est des plats, enfin, forcément. Et l'intérieur, voilà, avec les petits cœurs ici, donc ça par contre, faut pas les serrer en fait, parce que les cœurs tape sur l'autre et vous comprime la peau en fait et vous pince la peau, donc c'est pas très agréable. Mais bon, si la chaussure, il y en a qui n'aiment pas comment c'est fait au bout, mais moi j'adore franchement. Si moi j'aime personnellement, c'est le principal, j'ai envie de te dire. Et voilà, donc j'ai pris du 30, non j'ai pris du 35,5. Ouais, j'ai pris du 35,5 et voilà, ça nous amène à un 36, mais pas encore ça quoi. C'est la première fois que je reçois des chaussures qui me vont au premier essayage, donc là je suis très contente qu'on m'ait acheté ça, parce que c'est mes préférés, ça va être mes préférés, je vais les mettre tous les jours, pas seulement pour le costume, hein. non, voilà. Donc chaussures de très bonne qualité, voilà. Donc avec, forcément il y avait des petits autocollants en fait qui se met ici, donc moi je trouve ça super pratique en fait, qui se met ici je me semble, pour éviter d'avoir des cloques. Et il y avait un sachet de à la violette, donc c'est pour éviter de tuer des pieds quoi. Tu mets ça dans ta godasse et ça sent bon quoi. Voilà, bon je l'ai pas ouvert, enfin je l'ai pas forcément ouvert parce que voilà, j'en ai pas besoin, hein. Je sens pas les pieds. Personnellement, le lien de ces chaussures, je les mettrai en description. Donc forcément, si vous voulez vous faire plaisir, il y en a plein d'autres. En plus, ils sont en rose et en blanche. En blanche, elles claquent. Mais moi, je préfère en noir. Voilà. Donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner. Voilà. Merci beaucoup. Bientôt 15 000 abonnés sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux. Bienvenue à tous. Je suis déçue parce que mes vidéos Minecraft ne font pas trop de succès. Personne n'aime. Donc voilà, donc ça sert à rien de m'en demander. D'accord. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et n'hésitez surtout pas à aller sur le site de Roll Cosplay. Dépêchez-vous maintenant. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.